Hello la famille, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog Max. Nous sommes déjà au 13e vlog Max de la saison. Merci, merci à tous ceux qui se sont abonnés entre temps. Bienvenue sur la chaîne et j'espère que vous allez bien. C'était vendredi le 15 décembre, le jour de l'arbre de Noël de Enzo. Ce matin-là, on a pris notre temps parce qu'on voulait tester une nouvelle recette de smoothie. Le smoothie en question était composé d'ananas, de carottes, d'une petite touche de gingembre et c'était vraiment délicieux. Les enfants et moi-même, nous avons vraiment aimé. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres grâce à cette vidéo, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, je partage des astuces, des conseils. Je partage aussi mon quotidien à travers des vlogs. Donc vraiment, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et rassure-toi, je publie de nouvelles vidéos régulièrement sur ma chaîne. En t'abonnant, sois-en sûr que tu auras régulièrement du contenu. Cette recette de smoothie est vraiment délicieuse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testée chez vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse bien de savoir. Si vous avez souvent des petites allergies sur la langue, lorsque vous consommez de l'ananas, faire des smoothies avec de l'ananas, c'est une super idée pour quand même manger de l'ananas et tirer de ses bienfaits dans l'organisme. Oh wow! C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? De Ange. C'est l'enfant de Ange. C'est Ange qui t'a accouché. C'est moi qui t'a accouché. C'est maman qui t'a accouché. À te mettre devant la caméra, petit. Adieu, maintenant, montre toi devant la caméra. Adieu, vous avez vu mon garçon. Adieu, maman. Adieu, mon prince, Enzo. Ash. Lève-toi, ne te t'assois pas par terre. Regarde alors l'autre chat. Bonjour. Viens porter les chaussures. Bonjour. C'est qui? Maman Ange, pour se brosser, elle prend 30 minutes. Oui, maman. Pardon, viens me vérifier l'aussi. C'est qui le papa? Ah, je vous voyais, mon garçon. Est-ce que vous voyez même mon garçon? Maintenant, tu danses pourquoi, Enzo? Tu danses pourquoi? Hein? C'est qui le plus beau? Je vois. C'est qui le plus mignon? Je vois. Oh là là, mon petit garçon est trop mignon. Bonjour la famille, bienvenue dans ce nouveau vlog Max. Nous sommes très pressés, nous sommes très en retard. C'est de notre faute parce que on a pris le temps le matin de se faire les smoothies, de causer et tout et tout. Aujourd'hui, c'est le jour de l'arbre de Noël à l'établissement de Enzo. Et il vient juste de partir avec sa grande sœur. Donc moi, je vais les suivre tout à l'heure pour qu'on puisse participer. On a demandé que les enfants... soient là à 7h30. Et c'est à 9h que Prisca envoie son enfant à l'école. Franchement, j'exagère avec cette histoire de retard. Il faut que je fasse des efforts. Maintenant, Iris est déjà prête. Il reste juste que je m'apprête. Dès que je suis prête, moi, je vais les rejoindre. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, je vous prends tout à l'heure. Bon, la famille, je suis prête et très en retard pour l'arbre de Noël de Enzo. Donc, on s'en va là-bas comme ça. On va voir comment mon enfant chante. Si les maîtresses là m'enferment encore l'enfant comme ils ont fait l'année dernière, elles vont m'entendre. Je n'ai même pas eu le temps de vous montrer mon outfit. Mais je vais arrêter un jour qu'elle me filme là-bas. À plus tard. Mmh.
Enzo est dans sa classe, ils n'ont pas encore commencé les prestations. Donner le compte rendu de ce que je pense de la cérémonie de l'arbre de Noël de cette année. Moi, je trouve que c'était bien. Contrairement à l'année dernière, ils ont écouté les doléances des parents et tout le monde, tous les enfants sont montés sur le podium. Tous les enfants sont montés sur le podium. Du coup, ça faisait plaisir. Même si je n'ai pas pu voir Enzo sur... le podium parce qu'ils étaient nombreux, ça m'a quand même fait plaisir de savoir qu'il est monté avec les autres, qu'ils ont chanté et voilà. Cette année, on n'a pas priorisé une catégorie d'enfants, tous les enfants ont fait quelque chose en fait, tous les enfants ont participé et puis c'est bien de savoir que l'établissement a au moins compris les doléances parce que l'année dernière, beaucoup de parents s'étaient fâchés en fait. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, ils sont en train de manger entre amis. Je ne sais pas si on ira prendre les glaces tout à l'heure. Mais j'ai bien envie d'aller prendre les glaces avec les enfants. Bref, je ne sais pas si on va rentrer ou bien si on doit aller prendre les glaces. Voilà. Donc, sur une bonne note quand même, je suis contente. Je suis contente. C'est comme ça que... on doit fonctionner. C'est pas qu'on doit mettre des enfants à part parce que bon, l'enfant est peut-être timide et tout. Non, 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 non. Cette année, tout le monde est monté sur le podium. On préfère les voir nombreux comme ça sur le podium au lieu que ce soit juste une catégorie d'enfants alors que tous les parents ont pris la peine de se déplacer. Tous les parents payent la même pension et tout. Franchement, je suis contente. Je suis contente. En même temps, j'ai reçu mon cadeau de Noël.
Une petite ballerine. Un sens Samira. Prends le cadeau de Enzo, sans son cadeau, je veux voir. Maman, et la voiture télécommandée. Boubou, tu as la voiture télécommandée? Oui. Ok. Ils ont mangé quoi? Un canteux. Ok. Et le jus? Ils n'ont rien mangé de salé sucré. Non. De salé? Oui. Ok, c'est pas grave. Et avec les devoirs. Avec les devoirs. Hein. Ok. La voiture télécommande. Oh wow. Boubou, tu as chanté? Tu as chanté avec les amis? Oui. Ok. Fais coucou à la caméra. Un poulet, c'est combien, mon frère? Donne-moi alors un. C'est ça qui a l'arachide, non? Hein, c'est ça qui a l'arachide, non? Bon appétit. Après avoir mangé, il y avait quelques décorations que j'avais repérées chez Cadeau que je voulais aller chercher. En ce moment, Cadeau fait des prix de ouf. J'ai pris de la décoration à des prix de rien du tout. Tout ceci m'a coûté 1850. Vous voyez les boules violettes là uniquement m'ont coûté 150 francs le paquet. Imaginez vous-même. Va prendre ta voiture, non? Va prendre, ça ne va rien te faire. Enzo va jouer avec ta voiture. On enlève les piles. Non. Mais laisse, tu as la peur. Si tu as peur, on enlève les piles. Ça va bien. Les choses de chemin. Oh, tu n'aimes pas quand ça roule seul. Ou bien Enzo voit comme si c'est la magie. Enzo, tu as peur de la voiture. Viens prendre Boubou. Zeng, ne sors pas avec. Mets ça ici. Et qui est? Pourquoi tu jettes Enzo? Regarde comment ça roule bien. C'est même une jolie voiture. Très jolie même. Ma bien alors jouer. Hey, tournez. Viens alors prendre. Ne joue pas avec dehors. Ici des dames. Il veut vous rouler ça lui. Ne rampe, ne roule pas comme. Ça masse. Viens alors prendre. Tu as peur de ta voiture. Pourquoi? Ça ne mange pas les gens. Viens la prendre. Viens alors la prendre, tu joues avec elle. Non, laisse-la, elle vient vers toi. Laisse-la rouler seule. Elle nous a dépassé que, mais comment une voiture roule seule sans chauffeur? Sans télécommande. Tu t'as... Côté de toi, en passant que tu auras peur. Moi, n'ai pas peur. Même moi, j'ai pas peur. Viens alors jouer avec. J'ai peur. Tu as peur ou tu n'as pas peur?